Là, vous imaginez, chers amis téléspectateurs de FR3, combien je suis heureux que Pierre Rapsat soit ici sur ce plateau ce soir, car je regrette très souvent que les concerts de Pierre Rapsat, on ne les voit jamais en France, que sa carrière, pour l'instant, bien, ne va pas chez nous en France. Et pourtant, le succès, il l'a remporté ce soir. Bravo Pierre Rapsat. Je voudrais tout de même une petite explication. Pour quelle raison on ne vous voit pas souvent? Qu'est-ce que tu bois là, au fait? C'est quoi? Là, c'est du champagne. Il s'emmerde pas, lui, hein? À ta santé, tu aurais pu trinquer avec moi. Non, mais tu sais, on m'entend en France, j'ai fait des concerts en France. Pardon, en France. Il y a des régions où ça marche très bien, mais disons qu'au niveau national, ça s'est peut-être pas encore passé, mais comme j'ai changé de maison de disque et je pense que maintenant j'ai une bonne équipe autour de moi, bon, ben ça va se faire. Et tu as un public qui est d'autant plus très fidèle, et ça, je crois que c'est très important. Voilà Pierre Rapsat. Mais je garde des très bons souvenirs de Rochefort parce que je pense que j'ai fait 3 soirs chez vous, dans cette salle d'ailleurs. Il va y avoir 900 000 personnes, 900 ou 1000 personnes. Oui. Et je m'en rappelle très bien parce qu'en plus, l'organisateur, c'était un poivreau pas possible et les fins de soirée, c'était très long. Merci Pierre Rapsat. Alors, imaginez-vous, madame, quelques petites minutes et ce serait... Rock belge possède un talent fou. Où tu veux, quand tu veux, Pierre Rapsat. Thank you.
veux, quand tu veux, Pierre.